Bienvenue à toi. Si c'est pour la première fois que tu passes par là, n'hésite pas de t'abonner parce que sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, du développement personnel et de l'éducation financière. Aujourd'hui, je vais te parler d'un thème. Comment devenir riche en élevant les vers blancs? Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. Certains d'entre vous aussi ont déjà même eu à commencer à se lancer dans ce business, peut-être par manque d'expérience ou manque d'astuces, que tu n'arrives plus à avancer. Tu es coincé quelque part. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que oui, c'est vraiment clair et c'est réel. Tu peux avoir beaucoup d'argent en élevant. Ce n'est pas en une journée que je vous dise la vérité, ce n'est pas en un clic que je vous dise la vérité que tu dois être riche, mais c'est un travail de longue haleine, une répétition bien cousue qui te permettra à t'épanouir dans cette activité qui est vraiment très très rentable. Donc, les vers blancs, autrement appelés tsome, bien autrement appelés mpose en lingala, c'est un produit rare. C'est un produit quand tu vois dans les marchés de nos pays, c'est un produit difficile à avoir. Et vous êtes de même avis que moi, tout ce qui est rare est cher. Oui, rare et cher parce que c'est un produit qui est très nutritif. Parlons de ce produit. Saviez-vous que les vers blancs ont plus de protéines que la viande de bœuf? Et oui, voilà pourquoi ce produit est cher. Aujourd'hui, par exemple, au Congo-Brazzaville, on peut acheter un vers blanc à 150 lorsqu'il y a l'abondance. Sinon, lorsqu'il n'y a pas de vers blanc au marché, on achète un vers blanc à 200-250. Ok. Vous imaginez, c'est un élevage qui te prend aussi peu de temps, qui te prend peu d'espace. Donc, à 25 jours, tu peux déjà avoir les résultats. Quand je parle à 25 jours des résultats, tu peux déjà commencer à vendre à 25 jours. Mais lorsque tu as près de 5 bassines pour un début, 5 bassines, tu as près de 50 vers par bassine. Tu fais la multiplication, même si tu vends ça à 100 francs, tu te retrouves avec un peu d'argent, mais avec un peu de temps que tu dois investir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la rentabilité du business, c'est le nombre de bâtiments de poulet qu'il a. C'est le nombre de têtes de poulets, le nombre de têtes de cochons, le nombre de têtes de cabris. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit calculer la rentabilité d'un élevage. La rentabilité d'un élevage dépend des facteurs comme le temps de mettre ton produit sur le marché et le budget de nourrir et de soigner cet élevage-là. C'est-à-dire le coût de production. Si le coût de production, lorsque tu élèves les poules, est égal à 1 million et tu vends tes poules à 1 million 500, ne te dis pas que c'est un business rentable. Mais lorsque tu as un business comme par exemple l'élevage des anétons, donc des vers blancs, les mpossés, donc tu as seulement besoin de 2 heures de travail chaque mois et tu investis par exemple comme coût de production, par exemple 3000 francs la bassine. Tu te retrouves avec par exemple 6000, 7000, 8000 francs à la bassine, on se rend compte que, en tout cas, d'autres élevages sont rentables, mais cette activité-là est plus rentable que d'autres. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent toujours faire ce que l'autre est en train de faire, tout ce qui est populaire. Mais tout ce qui est populaire, est-ce que tout ce qui est populaire est rentable? C'est ça le problème aujourd'hui. Voilà pourquoi nous vous invitons à se lancer dans cette activité. C'est une activité, par exemple, tu as besoin pour une bassine. Une bassine coûte 1000 francs, donc 1500 avec couvercle. Tu as un couple de géniteurs qui te coûte 2000 francs. Tu as besoin d'un mélange substrat plus leur nourriture qui va te coûter au moins 1000 francs. Donc, tu es à moins de 6000, tu peux déjà lancer ton élevage. Et sans oublier une formation, parce qu'on ne se lance pas dans un business sans formation. C'est comme se lancer sur l'autoroute. Quand tu n'es pas conducteur, tu vas te fracasser la face. Donc voilà pourquoi, si tu n'as pas encore eu le temps de te former, nous vous invitons à notre formation, dont le lien est dans la description de la vidéo.
c'est un groupe WhatsApp où nous allons parler de cette formation-là. La formation coûte tellement très moins cher que tu sois partout dans le monde. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire, donc tu n'as plus besoin d'être sur place pour suivre la formation. Nos formations sont très, très, très élaborées. Il y a des vidéos très explicatives. Il y a des PDF qui vous expliquent très bien et les photos, les audios qui vont bien vous expliquer. Et nous n'arrêtons pas seulement à la formation, nous emmenons aussi les gens jusqu'au suivi. Nous allons sur place jusqu'à ce que vous allez monter et vous allez faire votre première production.